Bonjour à tous, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous avez déjà pu vous rendre compte de mon talent au foot. C'est tout simplement impressionnant. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je vous laisse avec un petit résumé de mes plus beaux moments footballistiques. Et franchement, ça en vaut le détour. Ça vous embouche un coin, non? Aviez-vous déjà vu un joueur de football aussi talentueux? Je ne pense pas. Je me demande d'ailleurs encore comment un club professionnel ne m'a pas contacté après avoir vu ses gestes techniques assez incroyables. Mais bon, j'ai persévéré et après avoir explosé Margot Dumont, après avoir montré aux joueurs de la Duchère ce qu'était le football et après avoir fait une petite vidéo de broutille avec le community manager de l'Olympique Lyonnais, je passe à la vitesse supérieure et je m'attaque à l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais. Il y a quelques mois, je me baladais sur Twitter quand tout à coup j'ai vu un jeu concours organisé par April, le sponsor de l'Olympique Lyonnais féminin. J'ai participé et j'ai gagné le premier jeu concours de ma vie. C'était tout simplement incroyable, du jamais vu. Et je me suis retrouvé au Groupama Training Center quelques jours plus tard pour jouer avec les filles de l'Olympique Lyonnais féminin. Et j'ai pu montrer mon talent enfin aux yeux du grand public. Donc en fait, ce que je vais vous montrer, c'est une vidéo qui a été faite par April directement parce que je leur avais demandé d'amener ma caméra et ils n'ont pas voulu malheureusement. Mais je vais vous faire une petite vidéo réaction de la vidéo qu'ils ont faite sur leur compte, sur les réseaux sociaux, etc. Et vous allez voir, mon talent footballistique n'y est pas beaucoup mis en avant, malheureusement. Donc voilà, c'était le 15 mai à 9h au centre d'entraînement. C'était assez fou parce qu'on a assisté à l'entraînement avant des joueuses, donc c'était plutôt sympa. Et après, on a fait des petits défis avec les joueuses. Vous allez voir ça par la suite. Et donc, il y avait Amandine Henry, il y avait aussi Eugénie Le Sommer, il y avait Lucie Bronze, il y avait Elodie Thomis qui est là. Et puis, il y avait aussi Emeline Laurent, une jeune du centre de formation, Lucie Bronze qui est là. Et puis voilà, Emeline Laurent. Donc elles ont pu montrer un peu leurs gestes techniques, faire leur petite danse, leur petit truc. Là, elles nous ont défiés. Je peux vous dire que j'étais quand même assez content de pouvoir montrer un petit peu ce que je valais. Sauf que vous allez voir en vidéo, et ben en fait, c'était pas trop ça, quoi. Voilà, là on voit. En fait, Eugénie a gagné la précision, et ensuite il y avait qui tirait le plus fort, la puissance. Et puis, bah, c'est pareil, il me semble, c'est Amandine qui a gagné, Amandine Henry ou quelque chose comme ça. Et moi, en fait, on ne me voit jamais jouer. Donc voilà, j'ai pas vraiment pu montrer mon talent. Mais en tout cas, c'était une belle expérience, c'était plutôt sympa. Et voilà, la fin de la vidéo. C'est un petit peu court, hein, je trouve qu'il n'y a pas assez de jeu à mon goût. Mais bon, voilà, je pense qu'ils ont eu un petit peu peur que, voilà, avec mon niveau, je les aurais un petit peu ridiculisés, donc ils ont eu un petit peu peur. Ou pas, j'ai été le plus nul, hein, tout simplement, parce qu'en fait, il y avait deux autres filles avec nous qui ont également gagné le jeu concours. C'était un pote et moi et deux autres filles. Les deux autres filles faisaient du foot, mon pote a fait pas mal de foot. Et moi, eh ben, j'en ai fait un petit peu, mais on va dire que même en faisant, j'étais déjà pas très bon à la base. Donc voilà, mais c'était une belle expérience. J'ai également pu rencontrer Memphis Depay. Regardez cette photo, magnifique. Memphis Depay, il nous a montré un petit peu son ensemble rose, il était tout de rose vêtu, Memphis Depay, magnifique. Et on l'a un petit peu, avec mon pote, on l'a un peu embêté en lui disant « Ah, tu marques combien de buts ce week-end ?» Et puis mon pote lui a dit « Allez, mets un triplé !» Et en fait, le week-end d'après, il avait mis un triplé, ce qui était assez fou. Donc voilà, ma petite expérience avec les joueuses de l'Olympique Lyonnais féminin. C'était un truc sympa, je suis un petit peu déçu d'avoir pas pu amener ma caméra et que la vidéo soit aussi courte. Mais je remercie quand même April de m'avoir fait vivre ce petit moment avec les joueuses de l'OL. C'était assez fou. Donc les amis, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Jordan. Et surtout, n'oubliez pas une chose. Entraînez-vous au foot parce que vous ne m'arriverez pas à la cheville. Ciao, ciao.